L'adversaire, on l'a déjà joué 3 fois, on l'a battu 3 fois. C'est parti! Et ça fait 5-4! Le 2GG s'impose face à Aubagne au tir au but, au forceps. Mettez-vous à leur place. Je pense qu'ils vont être revanchards. Ils n'ont pas gagné une fois face à nous, ils vont essayer de le faire ce week-end. Donc nous, on doit être prêts, ils vont être dans l'impact, ils vont être dans le duel. Ils sont premiers. Ils sont sur une série incroyable, ils n'ont pas perdu depuis le mois de septembre. Allez me la chercher! Allez! Allez! Précédemment dans QDF, après 10 jours de vacances lors de la trêve hivernale, on a repris l'entraînement et préparé notre premier match de 2024. Ouais, Joe ! On s'est déplacé à côté de Lyon pour affronter Bourgoin-Jallieu, équipe promue de National 3 et actuelle relégable du championnat classé 12e. Sur une pelouse difficile... On peut jouer au golf maintenant. Bah, tu peux jouer au golf parce qu'il y a des trous. Ouais, il y a plein de choses, il y a des trous et tu joues pas pour autant au golf. Devant un public venu nombreux, on a fait une bonne première mi-temps où on s'est créé de grosses occasions. Shaibi le crochet sur Ronan, j'ai la bonne intervention. Mohamed Diop maintenant en retrait pour son gardien, finalement Jordan Drulovic peut en profiter. Puis retour des vestiaires, le match est devenu plus équilibré avec des situations des deux côtés. Avec Zakaria Labidi à l'entrée de surface pour Versini. Qui va trouver Ilyes Shaibi dans la profondeur, Shaibi le crochet sur Seguin, la frappe d'Ilyes Shaibi. Récupérer ce ballon, la récupération finalement de Giovanni Versini, la frappe. Et malheureusement à la 93e minute. Sofiane Attic, dos au jeu, on va trouver Giovanni Versini côté droit. Giovanni Versini qui rentre à l'intérieur. Bourgoin ont ouvert le score. À la dernière seconde du match, j'ai eu l'opportunité d'égaliser. Alexis Mathias, Valentin Lienard dans la surface, la frappe. Mais finalement, le score en est resté là. Un résultat forcément très décevant dans un match qu'on a pourtant maîtrisé et dominé. On peut plus revenir en arrière. On peut plus revenir en arrière, maintenant on passe à autre chose. C'est fini ce match-là, on n'en parle plus. On va donc devoir tout faire pour se rattraper cette semaine, mais la tâche risque d'être très très difficile puisqu'on se déplace à Aubagne, les leaders du championnat qui vont en plus être revanchards après qu'on les ait éliminés il y a 2 mois en Coupe de France. Salut Ulysse, yes. Ça va? Arrête de filmer, c'est intime, c'est le matin. Ton anniversaire aujourd'hui? Bon anniversaire Val. Merci Max, merci les abonnés parce que je suis sûr qu'ils le disent derrière leur écran. Vous l'avez pas entendu mais c'est Nat qui l'a dit en premier. Donc présentation de Nat dans 3, 2, 1. T'as vu la transition? Ouais. Ouais. Je m'appelle Nathanaël Dieng, j'ai 26 ans et je suis défenseur central. J'ai été formé à Saint-Etienne avec Hugo, Piche. Je suis passé par Grenoble où on jouait en CFA à l'époque, ça s'appelait. On a vécu une montée N2, N1 et aussi N1, Ligue 2. T'étais avec Coco? Ouais, il est arrivé quand on jouait en N1. Ensemble, on jouait plutôt en réserve. Mais c'est vrai qu'on s'est côtoyé cette année-là et c'est là qu'on s'est découvert et j'étais content de revenir ici pour le retrouver. Ensuite, j'ai signé à Rodez. J'ai fait 3 ans en National, puis on est monté en Ligue 2. J'ai signé au Red Star en National les 2 dernières années. On a raté la montée de peu. La dernière journée, tout était encore possible. Il a manqué un peu de régularité sur toute la saison, ce qui fait que on a fini 3e. Et là, je suis arrivé cet été ici. Tu viens d'une famille qui aime beaucoup le foot. T'as un de tes frères qui est pro, c'est ça? J'ai un frère qui joue en Angleterre en 4e division. On est 4 frères et on aime tous le foot, donc ouais, je baigne dedans depuis tout petit. Et qui est le meilleur du coup? Je vais dire moi, mais... en toute modestie, ouais. On t'a pas encore vu dans le QDF, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ouais, on m'a pas encore beaucoup vu dans le QDF, parce que dès que je suis arrivé, j'ai rapidement dû me faire opérer des adducteurs, ce qui m'a éloigné des terrains jusqu'à maintenant. Là, j'ai repris avec le groupe en janvier. Sur l'aspect off, vraiment, il y a des choses à améliorer. Johan Bada, bien plus proche de nos def, ça crée des espaces dans le dos. Et là, on doit être plus tranchant. Là, on doit être des tueurs. Baptiste, tu dois l'éliminer, il doit prendre rouge. Par rapport à nos positions, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu te mets là. On tourne le jeu, on te claque la passe. C'est presque un 3 contre 1. Je crois que la passe, on défendait, je sais plus, je m'en souviens de cette action. C'est une touche. On défendait sur la touche? Ah ouais. Johan, bonne orientation du corps. Qu'est-ce qui va pas derrière? Mais pourquoi t'as pas fait une bonne passe? Moi, si je veux te faire progresser. Pourquoi je vais pas cacher? Exactement. Là,
Tu le veux le jouer lui parce que tu estimes que c'est ce qui va nous faire progresser et nous faire avancer. Oriente ton corps vers Skara, faire semblant que tu vas le trouver là. Au moment où tu armes ta passe pour Skara, là, tu la refermes. Et là, tu fais vraiment avancer le jeu. Ok ? Matisse, sur ses frappes, croise. Pourquoi ? On a des joueurs au deuxième. Si tu te rates, tu la croises trop, ça peut se transformer en passe D. Si le gardien dévie, ça va là où il y a les joueurs. Très intelligent, Val, de comprendre que tu ne frappes pas dans le dos, tu anticipes l'erreur. Après, frappe directement. Tu as la fenêtre de tir. Cherchez pas mieux. Là, y est, bim. Merci pour votre attention. Avec Nico, en salle. Bonne séance. J'arrive pas à trouver Hugo, est-ce que tu peux m'aider ? Moi, je le vois pas non plus. Introuvable. D'où Hugo ? Je sais pas. Hugo ? Hugo, il est où ? Je sais pas. Il a pas passé des snows. Si tu vois ce coquin de shipper, il est shipper. En surf, prendre une vague, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire et surtout quand on débute. Il faut tenir jusque dans les derniers instants. Accélère, accélère. Vas-y, mon petit. Il l'a fait. Cette fois, il n'a pas levé les bras. La classe, encore une fois, a parlé. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Celui qui fait la meilleure séance pour le moment, c'est Skara. Je sais pas si aux États-Unis ou en Australie. En tout cas, je suis au soleil. Tu dis bonjour aux gens quand tu les croises ou quoi ? Non. Skara Ryan, tu lui dis pas bonjour ? Non. Ah non, je le double. Hein. Regarde, hop là. C'est musclé, première moitié, deuxième, troisième. Oui. Je s'appelle Groot. Chambre Canto, on va pas dormir cette nuit. Je suis inquiet. Je suis avec Val ? Oui. Bah c'est mon gars. Tout va bien se passer. Tiens, tiens, tiens. J'espère que juste qu'on va dormir ce soir. Bada, récapitule la situation rapidement. Tu sais, il a peur de Skara et Skara, c'est un homme, il est chi, comme tu viens de me dire. Il dit, il fait caca, il fait tout, Skara. Oui, mais il a une aura naturelle, il m'a dit. Vraiment, top 3 dans l'équipe des personnes qui te font le plus peur. Skara. Ryan, Chaval. Et c'est qui, t'as pas peur ? T'es... Matisse. Je vais le démarrer, cet enculé. Oh putain! Lâchez. Baptiste, il a peur de toi. Pourquoi? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, t'as un vrai gars. Quand t'as une aura, c'est comme si t'es le chef de la meute. Je suis avec la plus grande phobie de Baptiste en chambre. Le Skara. Chef de meute, tu veux dire ? Le fameux. Un prono pour Marseille ce soir, ils vont gagner combien, tu penses ? Marseille contre qui ? Contre Strasbourg. 1-1. Non, victoire de Marseille. 1-1. Non, victoire. Un but partout entre Marseille et Strasbourg. Le top de la voyance vous donne rendez-vous au 39-14. On a un nouveau tableau. J'ai l'impression qu'il y a un moment qui porte un bébé, si je dis pas des bêtises. Une dame. Avec une tube. C'est vrai, c'est ça? Ouais. C'est quoi ça? C'est un oiseau. Je te demande pardon. Je suis sûr que t'as mis une tub, toi. Une tub? Ouais. Vous pensez à quoi? On voit clairement. Un oiseau. Non! Si tu veux aller voir Baptiste, dis que tout va bien. Et en sécurité, puisque Skara est avec moi.
Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman? Bonsoir à tous. Je m'appelle Adoulaye Djabi, j'ai 21 ans, je suis originaire de Paris et j'arrive à l'Est. C'est ça, je vais vous chanter Gouba d'un pays. Je m'appelle Maïla Sen, j'ai 22 ans, je viens du Sénégal. Merci, merci. Je vous ai aimé de la Maudit, hein? Le soleil, ça fait plaisir? Franchement, ça fait vraiment plaisir. Là, je me régale. Je sais pas comment on l'a eu là, mais c'est de la magie. Hein. C'est la magie de Marseille. Je pense que c'est Abdou. On se rapproche de chez lui, il a ramené ça. Je m'appelle Abdoulaye Djabi, j'ai 29 ans et je suis attaquant. J'ai commencé le foot un peu tard, à l'âge de 14 ans. J'ai pris une licence dans le club de mon quartier à Sucy FC. Je suis allé à Saint-Maur VGA, ensuite Saint-Maur. Je suis allé à Clermont, à l'AS Montferrand, 17 ans nationaux. Après Paris FC. Et ensuite, après en senior, j'ai fait Thiers. De Thiers, je suis allé à Limoges, ensuite Limoges-Trélissac. Trélissac-Canet, Alès et Alès Toulon. T'as une famille de footballeurs, deux cousins, c'est ça, qui ont été pro et qui sont pro? Abou Djabi qui a été pro et Mohamed qui est en ce moment au Portugal. Je l'avais regardé ce match. T'avais été à Trélissac, c'est ça? Et il y avait le match de Coupe de France contre l'OM. Bah, j'ai eu la chance de jouer en 32e contre l'OM. Particulier parce que voilà, il y avait toute ma famille. C'est un club aussi que j'apprécie pas particulièrement parce que je suis pour PSG. Et il y avait eu combien en finale? Finale, un partout et on perd au tir au but. Le soleil fois. S'est réveillé dans les bras du ciel. Pas mal. Je m'entends ça. Kev, tu peux y aller, c'est ça. Va vers là. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Dans l'océan de tes yeux, je vois un arc-en-ciel. Chante bien, t'as jamais fait The Voice? Ça me tente. On va voir après le foot. Fin d'année, on t'inscrit. Et tu chantes cette chanson. Avec ton soutien, je pense qu'on va. On peut, ouais. Dites dans les commentaires si vous voulez voir Maudit sur The Voice et il chantera. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Dans l'océan de tes yeux, je vois un arc-en-ciel. Allez, c'est parti. Causerie, il va donner le groupe parce que là on est 18 joueurs convoqués, il faut réduire à 16. En ce moment à l'entraînement on est quasiment 30. Hier la veille de match on était 24, les choix sont durs. Et ensuite on part pour ce match. Capital Latine. Présentation de l'adversaire, Leoban, leader de la poule. C'est une équipe charbonneuse qui est assez forte dans les duels, assez solide. Ça me rappelle un peu Marignane la saison dernière. Ils sont premiers, pas top dans le jeu, mais très efficaces, offensivement comme défensivement. Ils sont sur une série incroyable, ils n'ont pas perdu depuis le mois de septembre. C'est eux qui sont sur le papier favoris. L'adversaire, on l'a déjà joué trois fois, on l'a battu trois fois. C'est parti! Et ça fait 5-4! Le 2-GG s'impose! Donc, mettez-vous à leur place. Nous, on doit être prêts. Ils vont être dans l'impact, ils vont être dans le duel. Là, on arrive dans les étapes de montagne. Les 4 premiers, voire les 5 premiers, on joue. Et vous me faites penser un petit peu aux favoris du Tour de France qui dit toujours, ouais, ça va aller, vous inquiétez pas. Vous me dites toujours, ouais, mais t'inquiète, Brian, ça va aller. Et après, on voit les premières étapes. Ah, on n'a pas le maillot jaune, on est loin de la tête. Il y a des équipes ou des coureurs qui sont à 6 minutes. Derrière, il y a deux options. Soit on faisait croire à tout le monde qu'on était capable de revenir, mais en fait, ça masque des choses et c'est qu'on n'est pas bien. Mais la montagne, elle ment pas. Le moment de vérité, c'est maintenant. C'est dans les semaines qui arrivent où on va savoir. Est-ce qu'on est vraiment fort? On peut revenir, accumuler des victoires qui vont nous faire rattraper tout d'un coup parce que c'est là que ça compte? Ou est-ce que ça masquait des faiblesses? Ben maintenant, on va le savoir. Le moment de vérité, c'est maintenant. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à montrer votre vrai visage, à montrer vos qualités, à vous battre ensemble, à mettre vos états d'âme de côté, à être déterminé, à montrer qui vous êtes? Ben là, la montagne, elle est là devant nous. Il y a 5 étapes de montagne qui arrivent et on va voir si on est costaud. Est-ce qu'on est en capacité de gagner un match déjà pour casser la dynamique? Ben c'est maintenant. Les étapes de montagne, c'est maintenant. Ok? Allez, bon match. Allez, c'est parti! Ouais! Bien joué, Joe! Ouais!
Encore. Ouais. Très bien, Isiaka. Super, super. Super, triomphe. Encore, serre. Bien joué. Très bien. Vous n'avez pas de chance. C'est pourquoi vous n'avez pas de chance. Vous avez un coach qui se bat avec la maladie et qui est là avec vous. Vous avez l'adjoint qui a vécu le pire moment de sa vie et il est là avec vous. Vous savez pourquoi on est là avec vous? Parce qu'on vous aime, qu'on a besoin de vous. Moi aujourd'hui j'ai besoin de vous. Moi aujourd'hui je vais oublier ce que j'ai vécu toute cette semaine. Ne serait-ce qu'une minute, je vais l'oublier. D'accord? Parce que c'est un cauchemar et je suis avec vous. Parce que je vous aime, Brian dit vous aime. Ok, oui, vous n'avez pas de chance. Offrez-nous ça. Allez la chercher pour ma petite Ella. Allez me la chercher. Allez! 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 Allez, 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 allez. Réagir après ce revers à Bourgoin du côté des hommes de Brian Bergugnou, ça va être le mot d'ordre cet après-midi à Aubagne. Et la première faute d'Anthony Scaramozzino sur Thibaut Viala. Le centre qui va arriver jusqu'à la tête de Mats Lericia, la frappe de Cédric Otsumo. Et l'ouverture du score. On joue à peine depuis 4 minutes. Et l'Aubagne qui vient d'ouvrir le score à l'instant sur ce centre qui était arrivé jusqu'à la tête de Mathis Clérissier au point de pénalty, et ça revient sur Cédric Otsumo, le meilleur buteur au Bagnet. Et Baptiste Bacon face à André Antiana. Baptiste Bacon est passé, oui, il va logiquement être sanctionné, le numéro 27 au Bagnet. Joue Baptiste, joue 2 contre 1, joue le 2 contre 1, 2 contre 1. Alors Anthony Scaramozzino qui va jouer vite avec Baptiste Bacon, qui va mettre ce ballon au centre, la tête de Abdoulaye Diaby, son premier ballon à jouer sous les couleurs du TEGG, et ça a failli faire but. Anthony Scaramozzino avec Mathis Clericia, bien repris par la défense aubagnaise. On va remettre ce ballon dans la profondeur et Wailes Safiani au duel avec Cédric Otsumo. Il est passé, Cédric Otsumo, la frappe et le deuxième but pour Aubagne. Cédric Otsumo qui inscrit son doublé. Alors il me semblait avoir vu un petit contact sur Wailes Safiani qui a été accroché tout le long de l'action. Allez, Kevin Afougou. Wailes Safiani dans le cœur du jeu. Ouais, qui va croiser ce ballon pour Abdoulaye Diaby. Quelle ouverture de Wailes Safiani. Abdoulaye Diaby par deux fois, il vient réduire l'écart. Abdoulaye Diaby, son premier but sous les couleurs chablaisiennes. Lui qui vient d'Olympique Alès en Cévennes, qui inscrit son premier but sous les couleurs du TEGG et son sixième but en National 2 sur cette magnifique ouverture de Wailes Safiani. Et là maintenant ils sont dans la merde, ils savent qu'on peut revenir. Et Tikoro Keita, Kevin Afougou, on est dans le camp des sudistes là pour les TEGG. Et une nouvelle faute sur Baptiste Macon, cette faute de Thomas Carbonero. Allez ici, ah, c'est bien, allez! Un dégagement de Mathias Nouchi qui est contré sur Abdoulaye Diaby. Ou la grosse frayeur du côté Aubagnais. Une nouvelle fois. Recule, Mada, recule! Ici, Mada, l'axe! Ballon dans la profondeur à gérer pour Esteban Mouton face au très beau retour de Mada Radjomandé. C'est pas grave, c'est bien, Mada, Wahid! Attends, recule! Mada, recule! Allez, touche pour Nehari qui arrivera dans la surface, la tête de Badara Dumandé, la frappe. C'était Amiri. Une nouvelle phase de possession du côté Aubagnais, mais on va récupérer ce ballon pour le TUGG avec Joanne Branger, Mathis Clericia qui s'est projeté, oui. Mathis Clericia qui est signalé hors jeu. Oh, ça s'est joué à pas grand chose là encore. Mathis Clericia ne semblait pas être hors jeu. À la tête de Badara Dumandé. Tikoro Keita avec Joanne Branger qui est face au jeu. On va pouvoir alimenter les côtés. Et Baptiste Macon. Et Baptiste Macon face à Thomas Carbonero. Un coup de feinte à droite, à gauche. Il est passé une fois, deux fois Baptiste Macon, c'est bien fait. Dans la surface, le numéro 25, la frappe, elle est contrée. Ça joue encore avec Wailes Safiani. Isiaka Bamba dans la surface face à Esteban Mouton. Isiaka Bamba le crochet.
À la main ! Siaka, Abdou, là je vois qu'il vous prête. D'accord ? Gardez ça, très bien. Ikoro Keita, crochet à l'intérieur. On va servir Joanne Branger qui est face au jeu. Allez, le TUGG s'embarque dans une nouvelle phase de possession et une nouvelle phase d'attaque, on l'espère, dans cette rencontre qui ont été menées très rapidement au score par l'intermédiaire de Cédric Koutsoumo. Allez, il y a une nouvelle attaque à venir avec Issa Kamamba qui va servir Abdoulaye Diaby idéalement dans la surface. Abdoulaye Diaby, le très beau retour de Stéphane Sparagna, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille qui effectue un retour glorieux face à Abdoulaye Diaby. Thomas Carbonero, Thibaut Viala et la bonne intervention de Tiekoro Keita, symbole de mieux pour le TUGG dans ces dernières minutes de la première mi-temps. Allez, c'est Mathis Kérissia, coup de crochet face à Sparagna, la frappe pied gauche. Ouh, celle-ci passe juste à côté de la cage de Mathias Nouichi. Quelle occasion encore une fois pour le TUGG. Et c'est terminé, c'est la fin de cette première mi-temps. Le TUGG est mené 2-1 ici à Aubagne. Premier point, on n'a pas le droit de commencer des matchs comme ça, les gars. On n'a pas le droit de commencer aussi endormi un match. Surtout après ce qu'on monte derrière, on va se donner des regrets pour rien. Donc la deuxième mi-temps, on va l'entamer tout de suite. Prêt, déterminé. L'objectif, c'est déjà d'être bien en bloc tout le long. Garder le bloc, l'équilibre en permanence. Prise d'info. Quand j'avance, quand je me déplace, je regarde ce qui se passe autour de moi. Défensivement, un qui vient devant le point de chute. D'accord. Et c'est lui qui se joue le ballon. Derrière, on est couvert offensivement. On doit être plus juste, on a rendu encore trop de ballons. Continuer de mettre en place ce qu'on fait, les pistons, on ne les touche pas assez. Et une fois à partir de là, là, il faut venir se montrer à l'intérieur. On doit créer des supériorités numériques. Allez, vous êtes plus fort que cette équipe. Vous allez encore laisser échapper un truc que vous tenez largement. Eux, ils sont leaders. Ils sont leaders parce qu'on fait des cadeaux. Parce qu'on fait trop de cadeaux. Ils sont en train de craquer. Donc on reste dans notre idée. On lâche pas ce qu'on fait. On continue. Ok, les gars, allez. Dans votre attitude, sortez en sachant qu'on va revenir. D'accord ? Continuez à leur mettre le doute. Allez les gars, allez, 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 faut y croire, faut y croire. Si vous y croyez, ça va le faire. Faut y croire. Lâchez tout ce que vous avez. C'est dur de réagir, vous l'avez fait, allez. Eh, on va le faire les gars, on va le faire, on va le faire. Et je veux que vous ressortiez du terrain positif en sachant qu'on va remonter. Allez les garçons, allez, 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 allez. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par Cédric Koutsoumo et Aubagne. Stéphane Mouton sur le côté gauche avec Djabala. Djabala qui va piquer ce ballon à la recherche de Yamin Amiri. Ouh, la grosse occasion d'entrée pour Aubagne. Le centre du numéro 19, le sorti au point. Oh, maudit, allez. Et Baptiste Bacon avec Baptiste Rivière sous la pression de Joanne Branger. Touche pour Aubagne. Et ça s'échauffe, attention entre Tiekoro Keita et Baptiste Rivière. Là, il y a eu des échanges de mains, de coups. Brian, Coco pour Issia. Je sais pas si c'est Issia ou si. Mathis. Ouais. Qui s'entend bien avec Mathis Coco. Et on va sortir Issia. À la 60e, faut le faire. Ouais, ouais. Dis à Coco d'accélérer. Antonis Carabodino avec Badara Diomandé. Issia Kamamba, premier crochet sur Esteban Mouton, il est passé. Bamba qui va pouvoir servir Mathis Lirissia et bon retour de Stéphane Sparagna. On va jouer vite. Du côté Tonono, c'est corner, le centre de Wiley Safiani. Reprise de Mathis Lirissia, Badara Dumané dans la surface. Qui va servir Joanne Branger en retrait. Ce ballon a été contré, mais n'a pas pu trouver la vigilance de Nouichi. Caboré, Thibaut Viala, on a combiné sur le côté droit, le bon retour de Joanne Branger. Viala, le centre qui va arriver au deuxième poteau, la tête de Sparagna. Allez mon coco, ça part de là, ça. Bien joué Issia. Allez, l'entrée de Corentin Tiara et la sortie d'Issia Kamamba. Mais bravo Issia, bravo mon grand, bravo, bravo. Pascal, Baptiste, Baptiste il m'a l'air cramé. Ouais, mais Pascal par contre on pointe. Allez, on va jouer vite, Mathis Gléricia avec Corentin Tiara. On va combiner à la recherche d'un homme libre. Et cet homme libre, c'est potentiellement Tiekoro Keita qui est trouvé dans la surface. Alors, une nouvelle fois, litige sur ce hors-jeu ou non, et d'après les images, c'est clairement pas un hors-jeu. Il y avait clairement une possibilité de réduire et de revenir à égalité, surtout. Pascal, à la place de Baptiste, et chez Baptiste de l'enlever quand même. Tu peux enlever Joanne et mettre Baptiste au milieu, mais. Un gros risque. Ou t'enlèves Wayne. Bon, non, non. Assure ta défense. Et à la 75e, on fait rentrer Pascal. Au moins, on sera sûr si Baptiste il est cuit ou pas. Baptiste, viens voir. C'est important pour nous, il faut qu'on sache si t'as bon, la jambe. Bien, ok. Allez, fais-moi encore 10 minutes énormes. Ok. 10 grosses minutes, Baptiste. Allez. Joanne Branger.
qui va allonger et trouver potentiellement la vitesse de Chikoro Keita. Oui, c'est bien fait, la bonne remise sur Baptiste Macon. Baptiste Macon qui va piquer ce ballon au deuxième poteau pour Abdoulaye Diaby. Le centre tir d'Abdoulaye Diaby. Eh hey Pascal, tu vas avoir 20 minutes pour nous faire revenir. Allez, allez, allez. Et la sortie de Baptiste Macon qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts dans ce match et qui va céder sa place à Pascal Leno. Allez, Joanne Branger pour Pascal Leno au jeu face à Thomas Carbonero. Le centre, c'était une bonne zone trouvée par Pascal Leno. Et une nouvelle attaque à venir pour Aubagne. Avec Cédric Otsumo, c'est bien fait sur le côté droit. Avec Bentab, Bentab qui va lancer Cyril Kétir. Et le très beau retour de Badara Diomandé malgré tous les efforts faits jusqu'à présent. Ryan, un quart d'heure il reste, on le fait, allez, allez, un quart d'heure, allez, on le fait, allez. Badara Diomandé avec Corentin Tirard sur le côté droit. Corentin Tirard qui va piquer ce ballon une nouvelle fois et lancer Abdoulaye Diaby qui est passé. Iniesta pour Royil, on met ce coco en 6 avec Juan. Le centre de Corentin Tirard au point de pénalty. Abdoulaye Diaby dans la surface, qui ne peut enchaîner car il y a la bonne défense de Sparagna. Bravo Moti. Coco, au changement, à 2-6 avec Johan et Wild Piston. Oh, je suis fier de toi. Bravo, bravo, merci, bravo, bravo, bravo. 4 minutes à peu près dans cette rencontre. Allez, Johan Branger avec Abdoulaye Diaby. Chikoro Keita. Keita face à Thomas Carbonero, le centre au premier poteau. Il y avait Abdoulaye Diaby, il y avait Pascal Leno. Oh, les deux ne peuvent reprendre ces ballons. Oh, alors là, il y avait une très très grosse occasion encore une fois. Super, Chico. Kevin Afogou avec Corentin Tirard. Il y a Shaibi au jeu. On va trouver Badara Diomandé qui lui peut percuter cette défense aubagnaise et il y aura une faute. Il y aura une faute sur Badara Diomandé. Franc décisif pour Anthony Scarabotino. C'est parti et ça sera au-dessus de la cage de Nuichi. Encore une fois, une occasion pour le TUGG. Chikoro Keita avec Ilie Shaibi qui est face au jeu. Shaibi, crochet, il est passé. La frappe d'Ilie Shaibi du pied gauche. Un peu trop écrasé pour tromper la vigilance de Mathias Nuichi. Badara Diomandé avec Corentin Tirard qui va percuter comme il adore faire. Corentin Tirard, Pascal Leno au jeu qui va servir Wayne Safiani. Le centre de Wayne Safiani est contré. Le dégagement finalement de Kabore. Ce ballon reste en jeu avec Joanne Branger. Branger, la tête de Sparadia. Ah, et ce ballon reste dans les airs. Il va falloir le remettre au sol, messieurs. Et ça va profiter à Aubagne. Raphaël Pioton qui peut prendre l'espace à l'intérieur, qui va servir Cyril Kétir, la frappe de Cyril Kétir. Otsumo avec Bentab. Bentab, ce ballon sera dégagé en tribune pour évidemment gagner du temps. Et ça sera fait un carton rouge, ouais, un carton rouge pour Yacine Bentab qui était rentré et qui donc sort avec un carton rouge expulsé de cette rencontre. Et on fera de même aussi pour Mohamed Sanani, le coach d'Aubagne. Allez, Otsumo avec Cyril Kétir. On va le jouer au coin de corner, ce ballon. Et c'est terminé. C'est terminé la victoire d'Aubagne. Deuxième défaite consécutive pour les hommes de Brian Bergugnou dans cette année 2024. Un début très compliqué. Il va falloir donc vite se rattraper dans deux semaines avec la réception du Puy-en-Velay. Les gars, on passe à autre chose, hein, les gars. Bon, là, c'est dur, les gars. Mais... Non, on va passer à base. C'est dur. On va pas lâcher. Oh, non, bon, là. C'est très dur, là, mais voilà, on va pas lâcher. Il y a une deuxième partie, les frères. Voilà, on va dire là, notre première partie, elle est loupée. Mais il y a une deuxième partie, les frères. Il y a encore 14 matchs. Si on est des bonhommes, voilà, on peut. C'était un match compliqué, on a fait une mauvaise entame de match. On prend deux buts en 10-15 minutes. Des heures au bout d'un quart d'heure, je me dis que ça va être compliqué, mais faut pas lâcher. Après, on a su réagir avec un but d'Abdou. Il y avait des espaces dans le dos, donc forcément, à un moment donné, ils allaient céder. Ouais, je suis content d'avoir marqué mon premier but, mais bon, déçu de l'autre côté parce qu'il n'y a pas eu la victoire avec. Assez frustré, parce qu'on a les occasions pour. J'en ai une, Abdou il en a, il y a des pénaltys non sifflés, il y a des hors-jeux. Mais après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes aussi, pas que les
arbitres ou quoi, ça c'est extérieur. Il va falloir qu'on fasse attention à nos entames de match. Parce que prendre des buts au bout de 10-15 minutes, ça change tout. On a poussé, malheureusement, on s'est pas rentré. Défaite 2-1 qui fait mal à Aubagne.